C'est bon. Ça y est, on est arrivé. Arrivé à Fort Bravo. Bon, là, c'est le camping. C'est l'aire de camping-car. On est arrivé là-bas. Ouais, c'est pas. Là, il y a du lavabo pour faire la vaisselle. Là, il y a des douches. Des douches. Et des douches. Notre première douche depuis 3 semaines. Non, la première douche. Non, en fait, on a la douche. Hein. Mais c'est la douche avec nous, ça va vite quoi, hein, c'est économique. Hein. C'est je mouche, je lave, je rince. Hein. Mais là, on va pouvoir profiter. Là, il y a les toilettes. Et puis là, on va rentrer dans le fort. Enfin, c'est tout un village des studios d'Hollywood. Vous allez voir les cow-boys, les chevaux. Là, on va aller boire une bière au saloon. Ah oui. Ah non, il se passe des trucs là. Mais c'est une bonne idée. Allez, on y va. C'est calme, hein. Ils sont où les cow-boys? Je sais pas, ils sont où les gens, surtout. Bon, après... Normalement, on se retrouve tous au saloon. D'accord. Mais t'es pas du genre à dire « Ouais, non, mais j'aime pas la foule, j'adore quand c'est calme. » Mais ben là, c'est calme. Ah, mais ça me dérange pas, hein. Ou alors, ils ont tous été... C'est une fantôme. Pourquoi tu passes par là à chaque fois, hein? Parce que j'aime bien passer par les écuries. Au saloon. Et on a pris une petite bière. Small. Ah, no, it's big. En tout cas, c'est beau. Ouais, c'est joli. On est bien dans l'ambiance. Ouais. Bonjour tout le monde. Salut.
Et on est pas mal là, hein. Il est quelle heure? Ah, il est 10h, je pense. On commence la journée, allez, 10h30. Ah, comme d'habitude. On est bien, on est à l'heure. Bon, alors on est toujours au camping, parce qu'on a pris 2 jours, bon, c'est un peu trop. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu trop. Non, une nuit, c'est bien. Parce que le parc, ouais, il est pas grand en fait, en une journée. Et là, regardez, tout le monde est parti. On est tout seul? On est tout seul. Non, on conseille une journée. Et par le... voilà. Comme tu l'as dit, le parc n'est pas grand. Il n'y a pas l'hiver, il n'y a pas de... restaurant. Restaurant. Oh. Nous, on pensait qu'il y avait un restaurant. Quoi. On s'est dit, on va faire une soirée au restaurant. Et puis l'hiver, on est en mars. Hors saison, en fait. Mais hors saison, voilà, il n'y a pas non plus de boutique alimentaire. Mmh. Et... mais il n'y a rien, en fait. Donc du coup, une nuit, on vous conseille de prendre qu'une nuit. Ouais. Ça y est. Ah putain, quoi. Je me prends une petite stoude. Allez voir, il est plus rapide. Ouais, donc c'est ici que tous les gros westerns ont été tournés. Surtout ceux de Sergio Leone, avec Clint Eastwood, Charles Bronson, Indiana Jones. Ouais, il y a Indiana Jones en film, en série. En film. En film. En film. Ah, il y a eu quoi encore? Il était une fois dans l'Ouest. Bah, plein d'autres, hein, tous ceux de Quick Clint Eastwood. Ah, peut-être aller faire un tour de calme. Aussi les Dalton qui ont été tournés ici. Ah oui, tu as raison. Et ouais, il y en a, c'est que les façades en fait. Il n'y a rien derrière en fait. C'est juste pour filmer la façade et puis voilà. Le décor en fait. Ouais. C'est beau quand même. Hein. On se croirait dedans.
pour dire que c'est quand même un peu calme. Ouais. Qu'à cette époque-là, il n'y a pas trop d'animation. Il y a deux animations. Ouais. Alors la calèche, comme on vient de faire, qui fait partie du... Si vous prenez la nuit au camping, vous avez le petit tour de calèche. Je crois que ça va avec. Et les deux spectacles, ça va avec. Oui. Si, c'est sûr que ça va avec. Bah, j'ai donné le ticket d'ailleurs. Mais, mis à part ça, il y a en basse saison, il n'y a que deux spectacles. Donc c'est... Bah, regardez, c'est un peu calme. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Je pourrais presque crier. Voilà, Fort Bravo. Dans le film de Fort Bravo avec Charles Bronson. Okay. Allez, on va voir les Indiens. Je crois que on va pas nous scalper. Je sais pas si c'est là, mais là, il y a le dernier des Mohicans aussi qui a été tourné. Celui de 69 ou 65, je sais plus. Année de pas suite de 2012. Oui, c'est là qu'il est. ¿De quién es el maldito caballo? Que no lo sé.
Flamme, nos étamines viennent de là. De la vuelta. Vamos, ¿qué ocurre ahora? Aparta esa mano del temor del trabajo. Va, oficial. ¿A quién se debe vuestra visita a mi pueblo? Venimos a participar en el poder de ya. A ver, gente. A eso viene todo. Ya. Jean-Pierre va a ser el primero a montar el sol. Estábamos echando una partida de polvo. Y estos dos me han hecho trampa. ¿Por qué no me callas, Kevin? ¿Por qué no me callas? ¿Dónde está mi hermano? Tu hermano tenía mucha prisa y se ha marchado. ¿A dónde? Dijo que se iba al paso. ¿A qué paso? Al paso cojo, lo mandé. Me queda muy gracioso, Kevin. Sale a dar la vuelta, me va a sentar a buscarlo. Voy a dar la vuelta. Pero sé que me quita para la vuelta. ¡Nunca! Yo soy un hombre y mando de frente, date la vuelta. Ya la quiero, que camine. ¡Fran! ¡No pienso caminar! ¡Te estoy diciendo que camines! ¡Vamos, Fran! ¡Sabes caminar sin mi caballo! ¡Nunca lo he visto caminar! Thank you.
tâche spéciale. Oula. C'est chaud. Pas chaud? C'est chaud. Ah. On va attendre deux minutes. ¿Y el baño? El baño allá al lado a la derecha. Con la izquierda no está la mujer. Muy bien, Mili. C'est le restaurant. Oui. En fait, là, on est dans le restaurant. Avec la crèche. La conquête de l'Ouest. Bon, je suis bougé, je vois. Ah non, c'est un vrai sanctuaire. C'est pas trop confortable, hein, côté dedans, hein, dans la calèche. Ça se coud un peu. Hein. Oui, ça se coud. Hein. Alors là, c'est les différents véhicules qui ont tourné dans les films, je sais pas quoi. Mais on verra sans trou. Et si vous avez une idée, hein, mettez-le en commentaire. On met un peu à du Mad Max. Bon, on va rentrer à l'intérieur. Il y a d'autres choses à voir. Hein. Ça, c'est un autre décor. En fait. Là, on change de décor. Là, on est au Mexique et de l'autre côté, on est au Far West.